Hola, qué tal les gars, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce dernier épisode de la carrière avec Séville. Peut-être qu'il y aura un épisode spécial où on ira plus loin ensuite dans la carrière, vous verrez bien, c'est surprise. Mais aujourd'hui, 14e et dernier épisode de cette carrière. On va avoir la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le dernier match de Liga Santander face à l'Atlético de Madrid. On aura aussi la finale de la Coupe. Que des finales aujourd'hui. Nous, on joue que des finales. J'espère que vous êtes prêts, cet épisode, il est parti. Et j'espère qu'on peut atteindre les 100 likes pour ce dernier épisode. Ce serait vraiment super sympa pour essayer de donner un dernier coup de jus à cette petite série. Le classement, vous le connaissez, on était certain et sûr de terminer premier à la fin de cet épisode. Mais je tenais quand même à jouer ce petit match face à l'Atlético de Madrid, voilà. Et comme je vous l'ai dit, deux finales dans cet épisode. Voilà, on est sûr d'être champion, va y avoir du but. On va pouvoir se livrer, on va pouvoir faire la fête peut-être. Ou alors être totalement déçu, voilà. Mais j'espère qu'on fera la fête quand même. Voilà, l'équipe face à l'Atlético de Madrid, c'est une équipe avec Pierre Gabriel et Mercado parce que Arana et Kimpembe sont toujours blessés, sinon c'est l'équipe titulaire. Voilà, vous la connaissez et c'est parti pour le dernier match de Liga Santander. Tout de suite, Maffeo qui passe, 12e minute de jeu, on va chauffer le commentary parce que deux gros commentary vont arriver, deux finales, Sarabia sur le côté, ça feinte, la feinte ça va pour centrer, pour qui? Pour Gonzalo Guedes, de la tête, 14e minute de jeu, ouverture du score face à l'Atlético de Madrid. Cette tête de Guedes, elle est belle, surtout qu'il n'est pas très fort de la tête et je pense que c'est à force d'être à l'entraînement avec. Oui, si tu l'avais, t'es un ancien de la série, avec Correa forcément parce que Correa c'était sa spéciale. Là on se relance mal, c'est Demirabay qui la met pour Diego Rota, Rota qui fait le crochet. Et là ouais, l'anglais il l'a monté en l'air, donc forcément ça va être penalty. Je suis pas forcément d'accord avec ce penalty parce que l'anglais joue totalement le ballon, mais bon. C'est comme ça, va falloir l'arrêter. Sergio Rico, il est peut-être pas dans les meilleurs potentiels du mode carrière, mais c'est un super gardien. Allez, vas-y Sergio, la parade de Sergio Rico face à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui choke encore une fois. Allez, Gonzalo Guedes, le coup franc, ça passe juste à côté. Je vous ai laissé le ralenti, je crois, dans ma tête. Je crois, dans mon souvenir. Voilà, juste ici, le petit ralenti, ça passe vraiment juste à côté des cages. Regardez, hop là. Oui, c'est magnifique. Sarabia, encore lui, toujours lui, qui envoie Lautaro Martinez qui a 89 de général. Il a vraiment explosé cette saison. C'est vraiment sa saison. Lautaro qui va peut-être centrer. Tout de suite, le centre de Lautaro, c'est pour Guedes, encore une fois. La parade de Jan Oblak. Voilà, lui, quand même, Jan Oblak, un top gardien sur ce jeu. Normal qu'il me sorte une top parade. Et là, c'est qui? C'est Gonzalo Guedes qui va y aller. Les passements de jambes, il élimine totalement Per Mertesacker. Il a vu sur le côté. Sarabia, la frappe de Sarabia. Ça transperce le filet. 2 buts à 0 pour le FC Séville face à l'Atlético de Madrid. 60e minute de jeu, on fait le break, c'est fini. L'Atlético est mort, vous allez voir ce ralenti. Vraiment, le travail de Guedes est précieux, j'ai bien vous laisser regarder ça. Voilà, superbe travail, le double passement de jambe qui permet de fixer les défenseurs. Surtout quand en défense, t'as quand même Mertesacker. Bah forcément, voilà, il va s'amuser Gonzalo Guedes, même Trippier. Voilà, c'est ultra lent. Guedes tout seul, la parade de Jan Oblak. En tout cas, voilà, on leur met une grosse pression. Ils ont vraiment du mal parce que défensivement, ils sont pas bons. Et on va s'imposer 2 buts à 0 face à l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On a dominé. On a dominé forcément dans ce match. Pas au niveau de la possession, parce que c'est vrai qu'à la fin, on leur a laissé le ballon. Mais voilà, c'est fait. On termine premier de Liga Santander, vous le saviez, avec 7 points d'avance. Oui, c'est ça, sur le Real Madrid. On n'a fait pas forcément une saison incroyable, hein, parce qu'on a 84 points. Et c'est vrai que derrière, ils ont surtout... Bah, le Real, le Barça ont surtout fait, eux, une petite saison. Ce qui me permet de terminer premier avec seulement 84 points. J'ai quand même fait 9 matchs nuls pour un champion, c'est pas énorme. Et puis sinon, vous le savez, en Liga BBVA, enfin, Santander, c'est toujours le même classement avec le Real, le Barça et l'Atlético de Madrid. Et puis sinon, aucune surprise cette année en Liga Santander, à part peut-être le Betis Séville qui termine 12e. Sinon, c'est vrai que la hiérarchie est respectée. On a Eibar qui a fait une percée, mais voilà, on est premier. Ça fait plaisir, on a le titre, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, on peut se tourner totalement vers la Ligue des Champions. Au niveau du classement des meilleurs buteurs, je suis un peu triste de ne pas voir Martinez plus haut que la 14e place. Il n'a que 12 buts, c'est pas énorme. Surtout que tu vois, par exemple, un Milinkovic-Savic qui est milieu, qui a mis 12 buts. Mais aussi un Alenia qui a 16 buts, qui a un seul but de Ndiaye Diédiou. Voilà, le joueur de Eibar qui a 17 buts, c'est dommage.
et puis au classement des passeurs, j'espérais voir aussi mon petit Martinez, mais pas du tout. Ce sera Milinkovic, Savic et Guedesch qui sont tous les deux à 8 passes D. Voilà, une seule passe décisive de Ronaldo et de Vitinho pour être meilleur passeur de Liga Santander. On a fait une grosse saison collective, en tout cas, je pense que c'est ce qu'on peut déduire de ces petites stats. Là, c'est parti, retour de Arana pour cette finale de Coupe d'Espagne. Oui, la Copa España, on va l'appeler comme ça. Vous le voyez, on a mis l'équipe titulaire. Alenia est maintenant titulaire indiscutable. Ceballos va rester dans le club l'année prochaine. Pour ceux qui verront la vidéo future, je ne dis pas plus forcément de petites informations. Mais voilà, l'équipe adverse, c'est quand même une belle équipe. Il va falloir se méfier de Oyarzabal parce que c'est un super joueur, parce que c'est un mec qui a marqué 3 buts en quelques matchs de Copa España. C'est le mec qui était meilleur buteur la saison dernière du championnat espagnol. Donc c'est parti tout de suite, 5ème minute de jeu, Savic qui décale pour Gonzalo Guedes. Va falloir centrer, non il feinte, Guedes, ça frappe, la frappe de Guedes est contrée, double frappe contrée, Alenia qui reprend. 7ème minute de jeu, 1 but à 0 pour le FC Séville. On ne prend pas de but et on enchaîne directement. On se place directement pour passer le final, pour la gagner. Voilà, pour soulever le trophée. On veut soulever ce trophée. Guedes, gros travail de Guedes qui a forcé la frappe. Et puis avec beaucoup de chance, Alenia qui reprend, qui vient marquer son je ne sais combien but de la saison. De toute façon, pour ceux qui suivent la série, vous l'aurez vu venir que Alenia allait terminer meilleur buteur. Oh là là. J'ai cru que c'était Guedes, parce que l'enrouler comme ça, c'est la spéciale à Guedes, mais non, c'était Martinez, regardez-moi cette action de Martinez. Le crochet est pas ouf, hein, voilà, mais l'enroulé est génial. L'enroulé, le gardien ne peut rien faire, je crois que c'est Rouilly leur gardien peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, l'enroulé est génial. Voilà, c'est peut-être là où on sent le 89 de... Oh, il a ce déplacement. Ce déplacement de Martinez, regardez-moi ça. Il nous lâche 3-0, 38ème, un récital, regardez-moi ça. L'enroulé était magnifique sur la frappe d'avant, mais le déplacement, regardez-le au-dessus. Hop là, contre-appel, c'est fini, le défenseur est fini, et quand t'as un passeur comme Alenia, c'est fini. Voilà, le 89 de Martinez, il est ici, dans son déplacement. Alenia, tout de suite, pour le 4-0, ça rentre pas, 57ème minute de jeu, on va pousser. Et là, c'est plutôt eux qui vont pousser. Non, récupération de Sergio Rico, et vous l'avez vu sur le côté en haut de l'écran, pour ceux qui ont été vifs, pour ceux qui ont un œil d'arbitre, la faute de Guillermo Arana. Voilà, on va peut-être voir le ralenti, j'espère. J'espère, on va boire de l'eau en attendant. Voilà, oui, on est tranquille, on est entre nous en famille. Voilà, grosse faute, c'est parti. J'ai rien fait, tu vois, c'est un peu rageant, mais bon. Voilà, donc William San José qui se chie dessus, enfin William José plutôt, pas San José, parce que voilà, c'est pas parce qu'il est brésilien qu'on va commencer à l'appeler n'importe comment. Allez, ça vite tout de suite, ça passe juste à côté. J'ai le temps de boire de l'eau, là, je suis régène pour la prochaine finale qui arrive, parce que oui, cette finale-là, on s'est imposé, Lautaro Martinez, homme du match, on a surdominé, la Real Sociedad était nulle, on a mis notre équipe type aussi, faut dire, et là, on va voir un petit résumé de cette Copa España, on a vraiment affronté que des adversaires plutôt nuls, on s'est hissé en finale, juste en simulant les matchs, voilà, Las Palmas, Vigo et Malaga, c'est pas grand-chose, mais faut dire, les gros clubs d'Espagne ne les jouent pas, on a juste le Barça qui s'arrête en 8ème de finale, Villarreal en quart, sinon, voilà, il n'y a pas de grosse équipe qui pouvait nous concurrencer, donc on la gagne normalement, et très facilement cette Coupe d'Espagne. Doublé, c'est le doublé, bah oui les gars, putain je viens de m'en rendre compte, c'est le doublé, Copa España plus le titre, nickel. Et là je crois que les gars, on va partir pour le triplé, on va essayer du moins de partir pour le triplé. Mon téléphone sonne mais je peux vous dire que je ne décrocherai pas. Là c'est le triplé que peut-être qui se joue face au Real Madrid. J'ai le retour de Kimpembe pour ce match, c'est incroyable. Kimpembe qui revient pour le dernier match. J'espère qu'il revient pas juste pour jouer ce match et pour fêter le titre avec ses potes, mais j'espère qu'il revient parce qu'il est motivé. Alenia est forcément titulaire parce que Alenia est trop fort. Martinez, vous l'avez vu, il a comment le général, 90 les gars, c'est incroyable. Et là je vais vous montrer l'équipe du Real parce que j'ai entendu vos appels, vous vouliez voir les équipes adverses que je jouais. Et là, regardez-moi ça. Au Real, clairement, tu joues pas si t'as moins de 85 de général. À part Llorente, voilà, c'est du très très lourd. Lemar, 89. Bale, 87. Isco, Casemiro, 89. Ronaldo n'est pas titulaire. Benzema n'est pas titulaire. Voilà, petite équipe, Varane 89. Donc c'est parti les gars, 6ème minute de jeu. On réveille dans ce commentary. La frappe, c'était qui? C'était Ciro Immobile, ça passe à côté. Carles, Alenia, Carlos, on ne sait plus. Alenia qui va provoquer, qui l'aimait pour Guedes. Faut faire la différence, 87 de général, c'est fait pour ça. Milinkovic, Savic, ça passe juste au-dessus de sa tête. Allez, ça va partir, 32ème minute de jeu. Tanguy Ndombele, il esquive le tacle. C'est magnifique ce petit jeu de jambes de Tanguy Ndombele, qui l'aimait pour Carles, Alenia. Le passement de Chambil est génial, il va croiser sa frappe. Et l'ouverture du score de Carles Alenia, un but à zéro.
pour le FC Séville face au Real Madrid. 34e minute de jeu, on s'envole peut-être vers la victoire dans ce match. J'ai fait start tellement que j'étais fou dans ce but. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment à fond dans mon match. Là, le passement de jambe, il est génial, il est parfait. C'est un passement de jambe décolle, les gars, et ça passe. 1-0. Gareth Bale pour le coup franc. Vous savez que les coups francs, c'est dangereux dans ce mode carrière. Le coup franc, il est tiré, c'est repris par Tiro Immobile. Ça passe juste au-dessus des cages. On est sous pression, c'est la 45e. Je vous montre les stats de la mi-temps. On fait actuellement un braquage parce qu'on a tiré une seule fois et on a marqué, et sinon c'est eux qui dominent. Mais on va tenir, on va tout faire pour éviter qu'ils égalisent et qu'on aille en prolongation. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Carles Alenia qui envoie qui? Lautaro Martinez qui est beaucoup plus rapide que Raphaël Varane. Lautaro, qu'est-ce qu'il va faire, le lob? Ah, c'était peut-être pas le bon choix, mais en tout cas j'y ai cru. 67e minute de jeu, c'est Gareth Bale qui est lancé sur le côté. Vous avez vu Tiro Immobile qui s'est positionné dans la surface de réparation. Gareth Bale qui centre, c'est pour Thomas Lemar. La reprise de vol acrobatique, ça passe juste au-dessus des cages. Quelle chance pour cette équipe du Real Madrid, enfin non, du FC Séville. Et ça va continuer à mettre une grosse pression avec Carvajal sur le côté qui centre, c'est pour Thomas Lemar. Qu'est-ce qu'il va faire? Il la remet pour Marquinhos. Oh, la frappe croisée, ça passe juste à côté. 78e minute de jeu, on se relance. Allez, c'est parti. Attention, quoi? L'interception de Thomas Lemar, c'est pour Edinson Cavani. Varal, oh là là, j'ai vraiment cru que ça allait être pénalty. 84e, on se relance, on est vraiment dans le mal. Est-ce qu'ils vont intercepter? Est-ce qu'on va aller mettre ce deuxième but? Peut-être en contre-attaque, il décale. Lautaro Martinez tout seul face au cage pour le but du break. Oh la transversale, ce match est beaucoup trop fou. Est-ce qu'il va y avoir une autre occasion? Et non, victoire, victoire jusqu'au bout. On y aura cru jusqu'au bout. Cette finale de Ligue des Champions aura été indécise. Vous l'avez vu, on aurait pu craquer, on aurait pu même mettre ce deuxième but qui nous mettait à l'abri. Mais non, c'est gagné, Toni Kroos. Tu peux pleurer parce que tu viens de perdre la Ligue des Champions. Et c'est le FC Séville qui gagne une des premières Ligues des Champions de son histoire, je crois. Je crois, dites-moi ça en commentaire. Je connais pas, mais en tout cas, dans l'ère récente du football, je pense que c'est sa première Ligue des Champions. Donc voilà, les joueurs sont contents, c'est la fête. Je suis content pour eux, ce bel effectif qui a vraiment grandi progressivement. Je vous ferai un petit résumé de l'équipe après. Mais voilà, victoire en Ligue des Champions, 1-0 face au Real Madrid. Encore une fois, Carles Alenia, vraiment, le petit 9 sur 10 de notes, qui a été parfait, qui a été génial. On a vraiment, je vous le dis, on a un peu volé cette finale. Pas forcément volé, mais on a bien tenu, on a fait un match de guerrier. Et on mène on gagne 1-0 face au Real Madrid. Voilà, dans un parcours un peu, certains diront facile, moi je dirais écoutez, c'est la vie. Le Real a joué quand même Bruges en demi-finale. Bon, certes ils ont joué la Juve, nous on a joué le PSG. Voilà, c'était un parcours qui aurait pu être compliqué si on avait joué contre des équipes. Voilà, si Napoli aurait fait un match au niveau par exemple, voilà, ça aurait été ce genre d'outsider un peu compliqué. Pareil pour le Milan, ils éliminent Dortmund quand même, c'est pas une équipe mauvaise. Voilà, on a eu un parcours mitigé, mais bon, tu gagnes quand même face au PSG, face au Real. Voilà, on peut pas dire que ta Ligue des Champions, elle est volée. Donc c'est génial, on s'impose. Vraiment, je suis content de cette équipe. Et là, on va faire un dernier review d'effectifs. Voilà, Sergio Rico, 86. Milinkovic-Savic, 89. 7,60 de notes sur la saison. C'est quand même plutôt monstrueux. 8,3 en Ligue des Champions. Guedes, 8,2 en Ligue des Champions. Pareil, 12 buts, 16 passes décisives sur cet exercice, cette saison. Voilà, lui qui a eu 88 de général. Pareil pour Maffeo, qui a largement dépassé son potentiel maximum. Et je peux vous dire qu'il pourrait encore monter. Lautaro qui nous fait qu'une saison à 24 buts, 11 passes des. C'est vrai que c'est pas un buteur qui dans mon équipe marque énormément, mais en tout cas voilà, on sent la qualité de ce joueur. Pablo Sarabia qui commence un peu à être âgé, qui a mis ses 15 buts dans la saison. Alenia qui nous fait une saison all time, on va pas se mentir, voilà. Clément Lenglet toujours au niveau. Clément, voilà, 7,9 en Ligue des Champions, vraiment au niveau. Tanguy Ndombele, 7,6. Et le petit Tanguy, il est discret, mais voilà, 84 de notes, il a pris un plus 3 cette saison. Guilherme Arana, voilà, tranquillement Arana, sans trop de pression, il a pas joué trop de matchs cette saison, 41, même s'il a beaucoup été blessé. Et voilà, puis ensuite Dani Ceballos, légère déception parce que, ça aurait pas été une déception si j'avais pas le petit Alenia, voilà, Pierre Gabriel, qui a pas monté énormément de général vu le nombre de matchs qu'il a joué, Kimpembe, qui si j'aurais continué cette carrière aurait été vendu forcément parce que, voilà, un joueur compliqué, beaucoup blessé. Correa qui a quand même joué ses 31 matchs cette saison, 3 buts, 3 passes D. Demesquites qu'on aura joué 18, dédicace aux abonnés qui étaient fans, qui avaient créé la team Demesquites. Mais voilà, en tout cas Raphaël Leao qui a marqué aucun but, qui a joué quand même 9 matchs. Puis ensuite c'est que des joueurs régène, dont un seul que vous connaisserez, c'est le petit Navas, je crois, qui avait marqué un but dans un épisode
Donc voilà, c'est tout pour cette carrière avec Séville. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était un plaisir de vous la commenter. J'espère que vous voulez une nouvelle série, enfin que vous... Oui, que t'as envie qu'il y ait une nouvelle série mode carrière qui sorte sur la chaîne, les gars. En tout cas, je vais réfléchir à une équipe. Si vous en voulez une équipe en particulier, proposez-moi en commentaire. En tout cas, c'était Joe. J'espère que cette carrière vous a plu. N'oubliez pas, l'objectif, c'est 100 likes sur cet épisode. Dites-moi vos retours sur cette carrière, ce qu'il faudra améliorer. Vraiment, j'ai besoin de savoir ce qu'il faudra améliorer. Allez, c'était Joe. La bise.